Ouais, je te jure. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite alors la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Michel. Moi, bien sûr. Salut. Et aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle le bébé en jaune. Le bébé en jaune. Il est jaune, hein? Tu verras. Ok. Alors aujourd'hui, on a été chargé de garder un petit bébé. Et il est là. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu et ce jeu a eu une mise à jour récemment. Et nous devons nous occuper de ce petit bébé-là. Comment tu le trouves, hein? Ouais, j'avais dit la même chose la première fois. C'est horrible, ça. Ah, mon petit, tu sais que tu ne m'as même pas manqué. Je ne suis même pas content de te revoir. En tout cas, moi et mon ami Michel, on va s'occuper de toi aujourd'hui. Sérieux, il est horrible. Ouais, je te jure. Et tu n'as même pas encore vu la majorité des choses qu'il est capable de faire, hein. En tout cas, c'est Noël, donc on a dit « get the bottle from the fridge ». Ça veut dire que je dois prendre le lait au frigo. La maison n'a pas changé par contre. Le lait est où? Ah, le lait est là. Il n'y a que le lait dans le frigo. Ouais, il n'y a que le lait dans le frigo. Il faut aller nourrir... Les parents du... On va l'appeler Billy. Le parent du petit Billy... Billy. Je sais pas. Oh, bizarre, mon Billy, ça me fait longtemps. Ça me fait penser au Bill, vu qu'il a des gros yeux. Non, Billy. En fait, il a une tête à s'appeler Billy. Il a des gros yeux, oui. Donc. Ouais. Il n'y a que ça que je remarque, en plus il rigole. Ouais, en plus il rigole. Mais par contre, il a fait caca hyper vite. Hein. Il a un système digestif très développé, le petit. En tout cas, on va aller de ça. Mais tu veux que je m'occupe de ça comment? C'est toi la femme. Non. Allez, tu vas le changer. Tiens, il y a sa couche là. Désolé, ça c'est rétrograde. Hein. Ça c'est vous. Moi aussi. Non. L'égalité des sexes, s'il te plaît. D'accord, pour ça j'accepte. Mmh. C'est bon, vu que je suis pour. Ah, je sais comment t'avoir. Hein. Ouais, vas-y. Ok, je prends les trucs là. Mmh. Il est où le bébé? Tu me fais peur, sérieux. On est de mauvais bébés. Hé, hey, Billy! Non, mais sérieux. Il est là. Billy, arrête de jouer au con, ok? On dirait Chucky. Voilà, je cherchais, on dirait Chucky. Il me faut aussi penser au bébé dans les indestructibles, tu sais, Jack. Ouais, ouais, ouais. Le bébé terrible là, ouais. Qui avait plein de pouvoirs magiques. Ouais, bah par contre, j'aurais dû jouer au camp, hein. Tu restes là. Tu dis les gros mots devant le bébé. Bref, il comprend pas, c'est un petit. Okay. Allez, je vais te changer par contre. Maintenant, tu veux. Ah, là, tu es là. On t'échange. Et maintenant. C'est bizarre, il a un sourire sadique, quoi. On dirait voilà. Quand tu as fait quelque chose d'épique. Ok, je vais t'emmener au lit. Ça, c'est un beau papa, hein. Ouais, je suis le babysitter. Hein. Par contre, j'aurai un père très patient, contrairement à moi. T'es des bébés tout bêtes. Mmh. On va t'emmener au lit, mon petit Billy, tu vas faire de beaux rêves. Et cette fois-ci, tu vas rester là-bas, ok? On s'entend. N'est-ce pas, le petit Billy? Je ne pas sur lui pour dormir, hein, avec cette tête-là. Ouais, bon, pas l'air d'une personne fatiguée. Ta chambre, elle est quand même assez mignonne. Nous, quand on était petits, tu vois, les parents ne nous laissaient jamais dormir tout seuls. Mmh. Mais toi, tu as de la chance. Savoir d'abord si on avait une chambre à nous. Ouais, toi, au moins, tu as de la chance d'avoir un lit à toi. Regarde comment je l'ai balancé en mode. Bah écoute, je vais éteindre la lumière. Non, attends, tata Michel va te chanter une petite berceuse avant de dormir. Ah, je chante très mal. En tout cas, il va pas dormir. Peu importe, regarde. Il chante comme une chanson, il est en train de rire. Donc tu chantes une chanson. Ok, donc souris bien. T'es pas du tout une chanson. Fais dodo, Billy, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Maman est là. Une vilaine voix. Pour rien faire, allez, je vais te chanter moi une chanson. Ouais, c'est mieux. Frère Jacques, avec cette tête, il va pas dormir. Mais où que t'es, tu me dois 100 dollars, tu me dois 100 dollars. Elle ne me regarde pas comme ça. Oh, mais on ne parle pas d'argent, je dirais, mais sérieux. Je vais te tuer. Bon, c'est horrible comme père. Je suis le babysitter. Il y a du meurtre, hein. Et de l'argent dans tes les parents ne sauront jamais. J'éteins la lumière et après je vais dormir. Allez, fais des beaux rêves, Billy. On te paye pas pour ça, pour traumatiser les enfants des gens. Ok, attends les parents devant la télé. C'est bon, je vais aller regarder la télé en attendant. Hé, hey, Billy, dors bien. Non, on est sur moi. Que lui dort. Oui. Ok. Bah, je suis les objectifs. Hein. Bon, moi je vais aller. On va se mater quoi? Netflix. Ok. Tiens, on va regarder les Gardiens de la Galaxie. Moi, si c'était moi, la babysitter, j'aurais invité Yannick à la maison. Justement, je crois que c'est interdit de le code des babysitter. C'est même ça le but. Allez, moi. Bonne nuit. D'avoir la maison pour toi toute seule. C'est normal que tu aies apparu comme ça. Non.
Je savais. C'était le bébé. Billy! Avec cette tête de monstre, il pouvait pas être... Eh, vas-y, comment tu parles du bébé, toi? Sérieux? Dis-donc, bébé moche! Oh! Billy, comment tu vas ouvrir la porte? Si, au moins, c'était une fille. Il est où, Billy? Tu sais que ce bébé est bizarre. Il est où, Billy? Il est où, Billy? Les pouvoirs magiques. Il est où, Billy? Billy! Mais... Comment t'as fait pour arriver là? On se pose la question. C'est bébé comme Chucky. Billy, si je, te mets, si je te mets dans ta chambre, c'est pour une raison. Il est trop bizarre. Et il regarde avec les gros yeux. Il a un sourire sadique du genre, ouais, je fais ça exprès, mais par contre, on ne peut pas être tout faisant. Allez, bon, je sais pas si tu dors hein, et tu fais pas de bruit. C'est pour ça que je voudrais même pas avoir d'enfant. Hein. Ouais, et après, c'est vous qu'on va voir plus tard. Hein. Mmh. Marié avec 10 enfants. Environ. C'est ça. Bon, ok, je vais encore aller... Il a ouvert la porte? Mais... Billy, si je ferme cette porte, c'est pour une raison. Comment tu fais même pour ouvrir la porte? Ok, on va pas trop se poser de questions. C'est un jeu bizarre, ça. On va pas trop se poser de questions. Je vais pas venir, regarder un enfant qui ouvre toute seule la porte là. Ah, je crois que je vois. Pourquoi la porte est fermée? Okay, non, moi j'aurais eu peur hein. Ouais, moi aussi bizarrement. Mais bon. Ok, écoute, on est deux et il est tout seul. Donc on va regarder la télé. Hein. Ok. Tu me croirais si je te dis que j'ai jamais regardé Chucky? Jamais hein. Voilà pourquoi quand je fais le commentaire sur Chucky, tu t'as pas vraiment aidé. Ouais. Allez, dors. C'est un film d'horreur horrible. Ouais, je sais de quoi ça part, c'est une poupée. Ouais. Sauf que là c'est un vrai bébé. Sauf que le bébé là ressemble étrangement à Chucky. Ouais, bizarrement. Nuit 2. L'enfant rigole. Regarde, regarde, n'est-ce pas drôle? Le babysitter, je t'ai dit de ne pas faire ça. Ah, ça c'est nous qui nous sommes en train de corriger le bébé. Mais Billy n'a pas l'air de vraiment beaucoup parler, hein, quand même. Un bébé qui parle. Ouais, c'est pas vraiment intéressant, mais bon. Bon, ok. Get de bottle forme de fridge. On va prendre le biberon pour aller nourrir le bébé. Étrangement, ce biberon, il n'y a que ça dans le congélateur, dans le frigo plutôt. Écoute, ils sont un peu secs en termes de congé, moi. N'importe quoi. Et puis, ce genre de personnes-là veulent t'embaucher. C'est bizarre. Pourquoi la lumière s'est éteinte? C'est vrai, ça me fait flipper. Mais il se passe quand même des trucs bizarres dans cette maison. Ouais. T'étais là, toi? Non, il était dans sa chambre, non? Ouais, mais... Billy... Comment est-ce qu'il a fait? Donc tu m'as dit, pose pas trop de questions, je... Ouais, c'est bon, je l'ai nourri. Allez, cette fois-ci, tu vas le changer, hein. Pourquoi ce moment-là? Je suis désolée. Je suis pas d'accord. Ne touche pas à ça. Mais non, mais en fait, toi, tu sers à quoi, juste? Tu me regardes. Je te note, en fait, je suis là pour te noter. On nous a chargé, nous deux, de garder le bébé. Pourquoi? J'ai beaucoup plus d'expérience que toi. C'est pas vrai. Bon, si. Ok. Je vais prendre la couche. Ce bébé me fait flip. La couche est en train de s'envoler. J'ai pas confiance. Bah, viens ici. Ah, je peux pas. On dirait que ce bébé, tu dois l'attacher à tes. Ouais, je ne peux pas le prendre. Pourquoi? Bah, je sais pas. En tout cas, sa couche s'est envolée. Mon petit Billy, mais ta faute. On dirait que tu dois avoir le changer. Ouais. Avant de le prendre. Non, mais la couche s'est envolée, justement. J'ai besoin de la couche pour le changer. Mais va chercher la couche. Ok, d'accord. Mon petit Billy, ne t'affole pas. Mais de là à penser que tes couches sont tentées, il n'y a qu'un pas. Carrément. Ok, je vais aller chercher la couche. La couche, elle est où? La couche est là. Ok. Je prends la couche. Tu vas voir que Billy ne sera même plus là. Un talisman. Talisman intérieur, une chaîne cœur. Les parents de Billy faisaient des trucs assez étranges quand même. Hein. Est-ce que les parents de Billy sont des extraterrestres comme lui? Mm-hmm. Ça expliquerait pourquoi. Ok, bah moi je vais te nourrir, hein. Je vais te changer. Bon, allez, appuie sur le bouton. Change la couche. Ah non, c'est toi. Pourquoi? T'es pas gentil hein, quand même. Hein. Ok, je vais mettre le bébé au lit. C'est fois-ci. Billy! Ok. Billy, arrête de jouer au camp. Hein. La madame est partie. Tati Michel est parti, mais arrête de faire tes jeux. Hein. C'est pas sympa. Billy, tu arrêtes ça.
Ok, je vais te poser au lit, mais après tu vas m'arrêter ça, ok? Je vais éteindre la lumière pendant que Tati Michel s'est absentée. Ok. Ok, je vais éteindre la lumière. Bon, vu que Michel s'est absenté, je vais aller en profiter pour regarder. Je vais aller regarder un film. Déjà, je sais qu'elle n'aime pas ça. Mais bon, c'est parti, on va regarder le lit. Direction. Il fait chaud, putain. Okay. Bon, maintenant que tu es là, je vais te faire un bref récapitulatif de ce qui s'est passé. Il était sage. Non. Non, j'ai mis l'enfant au lit. C'est le récapitulatif. Et là, nous sommes à la nuit 3. Non, troisième nuit déjà. Oui, le babysitter dit « Bonne nuit, fais de beaux rêves. » Et l'enfant dit « Je vais te montrer mes rêves. » Ça promet d'être intéressant. Ok, ça promet d'être intéressant quand même. La nuit 3. Ok, on nous a demandé de regarder la télé. Tu veux regarder quel film aujourd'hui? J'aime les films d'action, donc. Ah bah non. Film de Jet Li. On n'a pas le temps parce que le bébé nous a appelé. C'est le bébé là, je sens que... Tu auras l'habitude après. Il me fait quoi de tes sons? Oh, Billy, calme-toi. Il a une quoi. Belle chambre, hein? Ouais, quand même. Il n'avait pas ce genre de chambre à l'époque. C'est normal, lui, il a une chambre à lui tout seul. Ouais. Billy, allez, t'inquiète pas, ça va aller. Maintenant, on va te coucher, hein. Oh. On n'a pas que ça à faire, hein. C'est ta bébé. Allez, ferme la porte. Mais normalement, on ne laisse pas l'enfant dormir avec une veilleuse. Mais si, parce qu'il y a une veilleuse dans sa chambre, justement. Ah, ouais. Ok, bon, moi, je vais aller. On va aller manger des chips dans le frigo. Hein, parce que je suis sûr qu'il y en a. T'es sûr? Ouais. Ça, c'est spécial. Nourris-moi. Feed the baby, you monster. Nourris le bébé, toi, monstre. Ok, d'accord. Et le bébé, il veut qu'on puisse nourrir le bébé. Mais pourquoi il crie comme ça? Tu veux entrer? Non. Vas-y, toi. Les femmes d'abord. Non, les hommes. Eh, situation, situation délicate, là. Mais c'est vous qui dites toujours les femmes d'abord. Là, maintenant que là, c'est la situation d'aujourd'hui, je voulais pas. Jérémy, va. C'est bon. Voilà. Merci. Ok, c'est bon, je prends les... Je vois pas comment un frigo est devenu comme ça. Ok, c'est bon. Tu vas voir comme ça, la porte est fermée. C'est étrange. Oh! Tu n'es pas en complot avec le bébé par hasard. Comment tu as signé la porte? Il est tellement bizarre qu'il te demande de rentrer et qu'il laisse la porte ouverte. Bah. Tu as ouvert? Oui. Non, mais je sais pas comment tu fais pour rester encore ici. Moi, j'irai abandonner l'enfant. Hein. Et c'est quoi ça? C'est normal, ça? Je ne ferai jamais ce boulot. Eh, le biberon, j'ai juste le biberon. Rappelle-moi de ne plus jamais faire ce boulot. Quand on est babysitter, on s'applique à vie. Non. Tu as promis de garder le bébé, donc tu le protèges. Je n'ai jamais connu ce genre de bébé. Mais arrête de jeter. Où cette porte? Le bouton sans faire exprès. Récupère ça. Et moi, je vais où dans ce cas, moi? Là, tu peux pas passer. Juste... Ah non, c'est par là que je suis installé. C'est quoi cette tête? Si tu boules comme ça, je donnerai pas à manger, hein. On dirait qu'il veut te dire des gros mots. Ouais, on dirait. Ok. Il est moche, sérieux. Laisse le bébé tranquille. Change it de baby. Tout bête. Ok. C'est bon, je vais changer le bébé. Ouais. Écoute, la prochaine fois que tu boules comme ça, ouais, moi je te donnerai plus du lait, hein. Hey, on s'entend. Ici, là, on n'est pas chez les blancs. Même si je suis babysitter, là, je veux te taper. Je rigole pas. J'imagine que ses parents avaient mis des caméras partout. On s'en fout, ils vont savoir à quel point leur bébé est démoniaque. C'est la dernière fois que tu fais ça. Ils le savent déjà. Hein. Ouais. Justement, c'est pour ça que j'ai engagé une babysitter pour rester un peu seule. Et c'est pour ça qu'ils ont un talisman. Mais c'est quand même la dernière fois que tu fais ça. Peut-être même qu'ils ont essayé de faire leur bébé en te le laissant. C'est quand même pas juste. Hein. Ouais. C'est la dernière fois que tu fais ça, hein, en son temps. La prochaine fois que je te vois, te débrouiller comme ça, je vais te taper. Allez, je vais te changer, mais plus jamais, hein, tu entends? Je suis sûr que quelque chose d'étrange va se passer. C'est toujours là que quelque chose d'étrange. Ouais, bizarrement. Je sais pas, on verra. Hé, Billy. Rien. Hé, Billy, arrête ça. Arrête. Billy. Prends le talisman qui est de la chambre des parents. C'est bon, attendez. Billy, mais... La façon dont j'ai crié. La chambre des parents, le talisman. Prends le talisman. Billy! Billy!
Billy, attends, je vais te. On dit comment? Bon, je sais pas si tu vas. T'exorciser. Je vais t'exorciser. Exorcimaci. Ça, je dis pas. Oups. Ouais, j'avais envie de faire ça depuis longtemps, mais. Non, en fait, déjà. Oupsi. Oh, ça, Billy. C'est intéressant. Billy arrête. Ah, ça, en fait, il y a plein de surprises. Au début, ouais. Tu crois que non, le bébé est juste turbulent et tout. Mais après, tu te rends compte que le bébé est possédé. C'est ça que j'aime bien. Je suis désolé, Billy. Non, mais la peur de mamie serait dans la vraie vie, mais j'aurais fouillé. C'est moi, Paco. Billy, toi, écoute. Toi, t'as eu le courage d'aller le déposséder. Ouais, mais quand même. Regarde, là, il va bien. Billy. Mais t'es fou. Hein. Billy, je suis désolé vraiment pour ce que je t'ai fait. Désolé quoi? Il nous a fait une peur. Mais regarde, il va pleurer, puis il va aller dénoncer aux parents, et puis on va dire que c'est nous. Il parle pas, je te signale. Non, bref, peu importe. On sait jamais. Tu vois, le bébé qui fait des démons, qui fait des démons, peut-être pas. Lâche-le. Billy, écoute, on est désolé, mais si tu te comportes comme ça, on est obligé de te faire mal. Hein? Allez, demande pardon à tata. Mais j'étais en roue. T'inquiète pas. Bon, allez, on te prend. C'est bon, on te rend. J'aimerais plus jamais les enfants. Par contre, toi, t'aimes les enfants. Ouais, comment dans cette situation tu peux être calme? Mais parce que j'aime bien les enfants. Allez. C'était vraiment horrible, sérieux. Bon, allez, on l'emmène au lit. Hein, parce que là, il est un peu triste. Allez, Bayo, on t'emmène au lit à Billy. Mais... Arrête ça, Billy, ça va juste. Hé, hey, Billy! Calme le bébé. Billy! Bah, il n'a qu'à aller dormir lui-même, hein, moi je repars. Passe. C'est quoi ces espèces de. Je sais pas si on dirait des tentacules. Tentacules pour Billy, essayer. Écoute, arrête ça, c'est pas attends, marrant. Moi je vais pas avoir peur, ça, je vais pas avoir ça. Billy, arrête. Billy. Mais pourquoi il fait ça? Je sais pas, il a l'air possédé. Billy, arrête. Mais pourquoi Billy, il fait ça? Billy, 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 Billy. Allez, je ramène un peu par moi. Moi je veux pas mourir, hein. Mais t'es pas parce que je sens que là les émotions fortement arrivent. T'inquiète même pas, sœur. Regarde, le jeu a ramé un peu quand même. Bon, le jeu a ramé. Le jeu a ramé. Oh. Ah, mais c'est intéressant. Je me suis dit, sérieux. Je savais du quoi. Te laisse pas avoir par ta tête de mec, d'enfant, et... genre triste et tout. Je savais qu'il vous parlait quelque chose. C'est seulement un bébé, d'accord? C'est bon. Oh. Alors toi, tu fais ça, tu peux faire ça. Non, c'est bon. C'est seulement un bébé, en comptant, d'accord. Bon, le plus intéressant, c'est qu'il y a deux fins dans le jeu. Ça veut dire que là, on vient de tester la première. Mmh. T'es prête pour encore garder le bébé une seconde fois? Ah, c'est la première fin. Ouais, c'est juste la première fin. Donc, on va essayer de tester la deuxième, vu qu'il y a une nouvelle mise à jour. Faudrait... Mais je crois qu'ils ont un peu changé le jeu, non? Bon, quoi qu'il en soit... Mon cœur a Ok, donc ça les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un maximum de pouces bleus et en disant ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve juste tout de suite pour faire la seconde fin. C'était Jérémy pour vous et Michel. À la prochaine!